Aujourd'hui, l'heure est grave. Alors, depuis quelques mois déjà, vous auriez dû voir hein, que j'ai arrêté tous les efforts sur toutes mes vidéos. Hein. En gros, je bâcle toutes mes vidéos. Et il est temps d'expliquer pourquoi du comment j'ai voilà, bâclé mes vidéos. Et surtout, une grosse annonce que j'ai à vous faire. Je sens déjà que cette vidéo va être magnifique, tellement je l'ai bien préparée. Vous voyez, 3, 4 papiers de notes, hein. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? La vidéo va durer encore une plombe. Donc du coup, eh bien, peut-être que je n'aurais pas tout dit, que je n'aurais pas dit tout ce que j'aurais envie en fait. Et donc, je disais donc que il était temps d'expliquer pourquoi cela ne va plus bien sur ma chaîne. Il faut savoir que j'ai quelque chose à vous raconter. Eh bien, c'est que quand j'ai commencé ma chaîne là en septembre 2014, eh bien, oui, je lis les notes. Eh bien, YouTube, il y avait des vidéastes de merde, mais il y avait aussi des bons vidéastes comme Poisson Fécond, etc. Enfin bon, bref, vous voyez le délire. Un des vidéastes qui donnait envie de se lancer dans l'aventure, quoi. Bref, vous voyez que YouTube en 2014, quand j'ai commencé, c'était quand même bien. Sauf que là, on est 3 ans plus tard, ou presque, en mai 2017 même. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que YouTube, c'est vraiment devenu de la merde. Alors bon, moi, je vais pas balancer comme ça que YouTube, c'est de la merde sans justifier, bien évidemment. Et donc, c'est donc que je vais commencer à justifier. Eh bien, déjà, j'ai envie de dire que ce n'était plus ce que c'était avant. Et que il y a beaucoup de choses dans ce YouTube de 2017 qui font que les conséquences, eh bien, ça implique sur moi. Ça impacte beaucoup, beaucoup sur moi. Hein. Déjà, là, il faut se rendre compte que l'âge des YouTubeurs, eh bien, il est blessé. Et merde, pourquoi je dis encore youtubeur? Putain, c'est pas possible. Là, les mecs de chez Google, là, il faut que. Voilà. Je veux dire que. Avant, là, si vous avez vu le vélo sur le zapping de l'internet des 15 ans et tout, là, la belle vidéo de 9 heures, hein. Eh bien, vous auriez dû voir que en 2002, eh bien, l'âge moyen des vidéastes, eh bien, il était à peu près à 25 ans, etc. En gros, l'âge a baissé, surtout dans la période dans les années 2010, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, où on est arrivé à des vidéos faites par des primaires. C'est lamentable. Et ces vidéos faites par des primaires, eh bien, ils sont vraiment, mais vraiment de mauvaise qualité pour la plupart. Voilà, quoi. Il n'y a aucun contenu original dessus, etc. Bon, enfin bref, vous voyez, c'est de la merde. Mais bon, s'il y avait que ça, là, je serais encore content. Hein, là, j'aurais encore regardé, j'aurais encore eu de la passion, là, pour monter en flèche. Non, je déconne. Mais... Sauf que, en fait... Il n'y a presque que ça sur YouTube. Je veux dire, dans les recommandations, là, il n'y a plus quelque chose d'intéressant qui pourrait m'assouvir, là, de mes plaisirs. Enfin, bref. Voilà, je vois que ça dans mes, hein, dans les recommandations. Et d'ailleurs, dans les recommandations, si vous n'êtes pas connecté, même. Hein, voilà. Ce que je disais, donc, qu'en 2014, on avait, en gros, on avait une partie qui était très mauvaise, hein, et une partie qui était très bonne. Voilà. Sauf qu'en 2017, je disais qu'il n'y avait plus que ça. Et que, imaginez que, voilà, moi, par exemple, eh bien, je travaille, hein, dans une entreprise. Moi, je travaille, sauf qu'il y a à côté un mec qui travaille moins bien que vous et qui gagne plus que vous. Du coup, injustice, etc. Vous allez vous réclamer, vous plaindre, etc. Hein. Eh bien, sur YouTube, c'est pareil. L'injustice à tout bout de champ. Genre, parce que moi, j'essaye quand même de faire de la qualité, quoi. J'ai acheté un appareil photo, un réflexe, non, je déconne. Mais quand même, j'ai acheté un appareil photo, et oui. J'essaye de faire des créatures intelligentes, enfin bon, bref. Voilà. Il y a du bon boulot derrière, quand même. Et à côté de ça, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des mecs qui vous racontent leur vie. Et encore à côté de ça, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des mecs qui font le mal à travers le monde. Hein? Par exemple, vous avez Studio Poverty, vous avez Soin de Se Voir. C'est injuste, là. C'est injuste de voir que à côté de ça, là, on n'est pas récompensé, quoi. Mais c'est le bordel. Et je veux dire qu'avec la descente de l'âge moyen des vidéastes, eh bien, il y a aussi... La descente de qualité. Aujourd'hui, on a quoi là? On n'a plus grand-chose de qualité, quoi. Par exemple, là, on a vraiment du contenu très très formaté, je veux dire. Là, on a tous les jours, quoi. Hein? Tous les jours, on a... je regarde pas beaucoup l'objectif, mais bon. On a des tags, hein? On a des swaps. On a des... Quoi encore? On a des mecs qui vous racontent votre vie. Enfin bon...
Enfin, on a des story time, on a quoi encore? On a des ouvertures de cadeaux, des unboxings, là, des musicalis, des réactions, enfin bon, bref. Là, vous voyez, là, il n'y a plus aucune originalité. Là, il y a des gens qui font le truc, là, juste pour le buzz. Mais en plus, ça marche, bordel de merde, mais c'est ça le problème, en fait. Alors que moi, j'essaie de me différencier s'il y a des autres, là, pour conquérir, enfin bon, pour voilà, pour essayer de sauver cette merde. Les petites putaclic, vous savez, les miniatures là, avec un gros rond rouge, hein, et une grosse flèche rouge, hein, pour je sais pas, hein, d'ailleurs je sais même pas, hein, les titres en majuscules, etc. Vous voyez que le contenu, en gros, c'est bien descendu. Ah oui, je voulais parler d'un autre point aussi, c'est les vidéos critiques que YouTube. Je veux dire, est-ce que ça, c'est important? Hein? Parce que je veux dire, voilà, est-ce que dans 10 ou 20 ans, on va encore s'occuper de ce site qui est youtube.com? Voilà, je veux dire, le travail que tous ces vidéastes mettent pour, genre, enquêter sur comment fonctionne le système de YouTube, etc. Enfin, bon, bref, moi, je regarde le compteur. Enfin, je veux dire, enquêter sur le système de YouTube, rechercher des vidéastes, enfin, et dire aussi que, voilà, je vais pas. Enfin, bon, bref, tout ce travail-là. Est-ce que ça sert à quelque chose, véritablement? Est-ce que si je fais une vidéo critique YouTube, là, est-ce que on se sentirait pas débile? Je veux dire, c'est vraiment bizarre, je veux dire. Enfin, en gros, je veux dire, est-ce que les critiques YouTube, ça sert à quelque chose aujourd'hui? Hein? Je veux dire, on est passé à un niveau de ridicule, je vous raconte même pas. Dans 10 ou 20 ans, hein, comme les Skyblogs, hein, et ben on va encore se moquer des critiques YouTube. Hein. Et d'ailleurs, je vais revenir à ça plus tard. Mais maintenant, passons au plan. Donc je veux dire que, un, déjà, les vidéos de qualité, voilà, c'est tellement devenu rare que, bon, voilà, contentez-vous de ça, ou sinon, voilà. De deux, j'ai pas envie de vivre dans ce monde de primaire, etc. Hein, parce que, voilà. C'est pas de mon âge de voir des gens immatures, etc., qui font des suicides là, enfin qui font croire des suicides à leurs parents, qui font des fakes, enfin bon, bref. Voilà. Et de trois, eh bien, c'est ce qu'on va en parler maintenant. C'est que, bon, s'il y avait que les vidéos de qualité très basse et que les enfants là qui font le bordel sur YouTube. Là, ça m'irait très bien. Sauf que le gros problème, encore une fois, c'est YouTube eux-mêmes. C'est leur système politique. Bon, déjà, moi, je vais pas revenir dessus sur tous les problèmes d'algorithme, de vues, etc. Mais pourquoi on passe encore plus de temps dessus, quoi? Mais le principal problème, c'est que YouTube met en avant ses contenus de merde, au lieu de prendre des contenus originaux et qui ont besoin, qui méritent plus de visibilité, de vues. Voilà, je veux dire, ça, c'est le principal problème. Ça fait que le contenu est un... Enfin, que... Les vidéastes vivent une situation injuste. Il y a aussi les médias qui, je ne sais pas quoi, je veux dire, pourquoi on se trouve dans... non, non, déjà. Déjà, les networks. Hein, déjà, c'est quoi ce vocabulaire de merde de YouTube, hein? Là, je veux dire, YouTube, c'est un site pour partager des vidéos, friendly, enfin bon, bref, c'est passionnant, je veux dire, c'est amateur. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent nous imposer? Des trucs professionnels, genre les networks, les MCN, les... Oh, putain, là, je me retrouve plus des sous. Et ça me fait chier, quoi. Là, moi, je me sens là comme un truc professionnel, quoi. Enfin bon, bref, putain. Bon, vous savez quoi là? Je pense là, je vais écrire un article de blog là parce que bon, voilà. Ah oui, il y a aussi la vidéo City Paris. C'est quoi ce bordel? Je veux dire, là, on a une rangée de youtubeurs, là, de youtubeurs. Et oui, je les appelle comme ça maintenant parce que franchement, ces youtubeurs là, voilà. La plupart de ces youtubeurs, eh bien, ils font pas de contenus originaux. Ils font des tanks, des challenges et tout. Enfin, bon, bref, moi je vous ai déjà expliqué un milliard de fois dans cette vidéo. Je vais pas revenir dessus. Ensuite, on a les enfants qui crient, les enfants qui pleurent. Et je veux dire, ça renvoie une image de YouTube qui est genre. Ouais, en fait, sur YouTube, il n'y a que des enfants qui pleurent là, avec des vidéos faites pour les ados. Putain. Et à côté de ça, eh bien, vous avez quoi? Vous avez les parents qui sont encastrés tous ensemble là, comme
Je sais pas là, hein, je vais pas dire des conneries, hein, parce que sinon là, il y a tout le monde qui va gueuler là. Là, je veux dire, comme le dit souvent les parents, enfin, je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pleurer pour un youtubeur qui fait que des tags, des challenges, etc. Je veux dire, dans 10 ans, il n'y aura plus personne qui va connaître ce youtubeur, alors pourquoi faire autant d'efforts pour venir jusqu'à Paris pour voir ce youtubeur-là, hein? Expliquez-moi, hein? Les personnes, c'est des personnes normaux, hein? Oh là là, là on va me dire que je suis jaloux. Hein. Alors, pour conclure sur ça, et c'est pas fini encore, eh bien, c'est qu'on se retrouve dans une communauté d'ados, hein? Et même de primaire, puisque là on commence à avoir des gens de 11, de disons 10, 11 ans qui viennent jusqu'à ici, hein, à la Vidéo City Paris. On a une communauté d'ados qui, je veux dire, qui sont affaiblis, quoi, qui sont, voilà, dans leur tête, voilà, ils ont pas trop compris le système, le délire, quoi, que YouTube, c'est pas très important pour la vie. Et pourtant, eux, non mais moi je veux dire, dans un commentaire, j'ai vu qu'il y avait un mec en quatrième qui voulait arrêter l'école. Tout simplement parce que il en avait marre de l'école et que à la place, il voulait faire des vidéos sur Minecraft pour YouTube. Et il croit qu'il va gagner sa vie. Si, si, je vous jure, c'est vrai. Voilà à quoi on est en arrivé à la mentalité d'aujourd'hui. Et ensuite, rien que le vocabulaire de YouTube, déjà, moi, je comprends plus rien. Déjà, il y a les devants, les MCN, bon, moi, je vous ai déjà parlé. Mais après, il y a encore les tags, les challenges, les swaps, les... j'ai un nouvel. Enfin, bon, bref, je sais pas là. Et lookbook, enfin, bon, bref. Là, il y a tout le vocabulaire là. Est-ce que un mec de 30 ans. Non, je veux dire, YouTube déjà. Là, c'est fait pour tout public. Là, c'est fait pour, comme on dit bien et si bien, pour les gens de 7 ans à 77 ans. N'est-ce pas? Hein? Est-ce que un mec de 40 ans comprendrait ce que veut dire les tags, les challenges, etc. Hein? Voilà. Même YouTube, j'ai l'impression. En fait, ils vont réduire leur. Leur visibilité aux ados, quoi. Hein? Et c'est grave parce que, bon, là, on nous a menti, là. On nous a menti sur le fait que YouTube, c'est un truc grand public. YouTube, au fil des années, s'est transformé en un site où je vous raconte ma vie pour des gamins de 10-11 ans. Voilà. Et à cause de cette communauté d'ados, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que YouTube est très mal vu par les adultes, enfin la plupart des adultes. Puisque voilà, maintenant, les ados, voilà. Et en plus, les critiques, etc., qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? Que YouTube soit mal ou pas, ou que ma podcast écrit et piqué les vidéos d'une autre, là, je sais pas, là. On n'en a rien à foutre, d'accord? Et à la fin, j'ai pas envie de me retrouver dans, en gros, dans ce site, là, dans ce monde pour ados. C'est pas de mon âge, en gros. Et je veux dire... Comment pouvez-vous être motivé de faire des vidéos pour YouTube si vous voyez que déjà la plateforme est très mauvaise? Je veux dire, tout ça, ça m'épuise et tout, là, j'ai plus envie de faire les vidéos déjà. Moi, j'ai envie de... en fait, bon, si, moi, j'ai envie de faire les vidéos, puisque quand même, c'est ma passion, mais moi, je veux dire, sur YouTube, non, faut pas déconner quand même. Et là, vous êtes, depuis le début, en train de penser que je vais arrêter les vidéos, n'est-ce pas? Non, c'est que, à la suite de cette vidéo-là, enfin, de ce que je vous ai raconté sur YouTube va mal, etc., voilà, eh bien, je vais demander votre avis. Parce que, comme le dit si bien Marine Le Pen, on ne applique pas quelque chose quand on ne demande pas l'avis au peuple. Alors, ce que je vais faire, c'est un référendum. Enfin, non, bref, c'est plus un sondage sur Stropole. Pour vous demander si oui, je continue les vidéos sur YouTube, mais je perds la motivation, etc. Vous allez me voir en dépression même. Ou si j'arrête les vidéos sur YouTube et je supprime la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, puisque si vous choisissez le non, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais me rediriger vers une autre plateforme de vidéos. Ça me gêne pas que j'ai moins de vues et que j'ai moins de bouffe, là, d'argent à récolter. Hein. Moi, je m'en fous de tout ça, hein. Ce que je veux, c'est faire des vidéos, point barre, hein. Et faire des vidéos dans de bonnes conditions. Et sur YouTube, là, c'est plus dans de bonnes conditions. Voilà. Ici, on est dans un monde d'ados. Et là, on s'est bien fait gourer. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que j'ai arrêté les vidéos, etc. C'est que, surtout, j'ai plein d'autres projets dans les cartons, là, que j'ai pas envie de vous dévoiler. Parce que, voilà, la politique du secret, voilà, etc. Bon, bref. Que je veux dire, eh bien, c'est que rassurez-vous, j'ai encore plein de projets dans les cartons. Mais voilà, je veux dire, c'est juste une vidéo pour vous dire que voilà, ça suffit. Arrêtons de faire les vidéos dans ce monde de primaire et même d'ado. Ensuite, il y a les dramas. Je veux dire,
Déjà, on n'en a rien à foutre des vidéos critiques. Mais les dramas, on en a encore plus rien à foutre. Mais je veux dire, là, on dirait que c'est une communauté d'ados qui s'embêtent entre eux. Mais c'est pas possible, là. Là, on dirait que. Là, sur YouTube, on dirait qu'on a des mecs pas matures, quoi. Ensuite, il y a la monétisation. Aujourd'hui, sur YouTube, j'ai l'impression qu'on veut nous forcer à parler de trucs d'ados. De trucs qui n'intéressent personne. Genre, je veux dire. Des trucs rigolos, quoi. Moi, je veux dire. On veut nous parler de challenge, de tag, voilà. Et au lieu de ça, eh bien, on veut pas qu'on parle. Enfin, YouTube ne veut pas qu'on parle des trucs sérieux. Des trucs qui font réfléchir, quoi. Genre la guerre, la Syrie, etc. Parce qu'à chaque fois que moi, je parle de. Bon, en fait, vous voyez, là, les autres émissions, là, les vidéos sans nom, les désinformations. Enfin, les Draw My Life, là, la Bible du vidéaste, etc. Ça, c'est des trucs pas sérieux, hein? Eh bien, ces vidéos, ils sont monétisés, hein? Et les désinformations internetisées, bon, moi, je voulais que c'était une émission humoristique, mais bon, c'est plus le cas, enfin, bon, bref. Là, ça parle de trucs genre la guerre, etc. Et ici, comme par hasard, c'est plus monétisé. Allez savoir pourquoi. Et ensuite, on en est arrivé à un stade où on a créé un jeu qui s'appelle YouTuber Life. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous imaginez un jeu qui s'appellerait et qui serait sorti en 2006 Skyblock Life? Telle est la question. Alors ensuite, encore une fois, c'est quoi cette politique de mettre tout en anglais? Déjà, les youtubeurs qui mettent tout en anglais là, je sais pas quoi là, hein? C'est quoi cette mode? Et ensuite, je veux dire, c'est mon impression, mais je veux dire, j'aimerais pas que dans 4 ans. Avoir honte de ce que j'ai fait des vidéos sur YouTube. Je veux dire, les mecs qui ont fait un Skyblock là dans les années 2000, et ben maintenant ils en ont honte. Et bien j'aimerais pas que ça se reproduise avec YouTube parce que en fait je sens que c'est en train de se reproduire en fait. Voilà, et c'est enfin donc pour tout pour cette vidéo où je vous résume à peu près pourquoi YouTube c'est mal et que il faudrait que. Je parte. Voilà. Je pense que ce serait la meilleure solution. Mais bon, comme le dit si bien Marine Le Pen, eh bien, votez-y. Hein? Votez-y sur le Stropole, hein, que je mettrai en ligne le 1er mai. Et je laisserai passer le temps jusqu'au 31 mai pour savoir si, oui, je continue les vidéos sur YouTube ou si non, eh bien, je pars sur notre plateforme. Mais dans tous les cas, eh bien, je vais partir sur notre plateforme. Mais si oui, eh bien, je reste sur YouTube. Enfin bref. Votez-y. Votez si jamais YouTube va mal ou pas. Et puis voilà, j'aimerais bien avoir votre avis parce que là, c'est un avis important et décisif pour tous ceux qui suivent ma chaîne. Puisque quand même, il y a 150 personnes qui suivent ma chaîne. C'est déjà ça. Donc voilà, votez-y. Enfin bon, bref, je vais vous laisser là. Et je vais vous dire, salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine.